Hi my love, how are you today? Welcome back to my channel. This is Carmen. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent, il y a pas mal d'anglophones qui me suivent. I swear I'm gonna do a tutorial in English. I swear a makeup tutorial in English just for you. Pourquoi tu souris? See you soon my English people and love you. Coucou mes amours, j'espère que tout va bien, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est hyper bien passée. Moi ça va nickel, ça va tellement que ben, je vous ai abandonné pendant deux semaines. Désolée, je suis là. Donc aujourd'hui je vous ai fait un maquillage super demandé en fait, le smoky, un smoky pour débutantes, donc avec trois fards, trois couleurs, quelque chose d'hyper facile à reproduire. J'espère vraiment que ça vous plaira. Voilà, moi j'adore faire, mais j'adore faire les smoky eyes. C'est vraiment le maquillage pour moi le plus sophistiqué, le plus classe. Le smoky c'est vraiment quelque chose qui va hyper bien aux peaux noires quoi. Donc voilà, j'adore faire ça. Je vous invite à me suivre sur Snapchat, sur Instagram. Venez me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, ça me fait hyper plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est hyper simple, il suffit juste de t'abonner ici. Voilà, faut juste cliquer sur s'abonner. Et si tu ne veux pas louper mes vidéos, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche à côté pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Voilà. Ben écoutez, je vous fais de gros bisous, mes amours. Et à très vite. Allez, bref, on va faire une playlist après. Alors, mes chouchous, on va commencer par les yeux parce qu'on va faire quelque chose de très chargé, de très charbonneux. On va utiliser des fards assez foncés, donc on va commencer par les yeux pour éviter d'avoir des chutes sur le teint. Voilà, donc pour commencer, comme base à paupières, je vais utiliser un correcteur de chez LA Girl. Celui-ci, c'est le Toast. Donc, je vais appliquer sur toute ma paupière. Paupière mobile. Donc, ensuite, je viens estomper avec le doigt. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas fixer l'anti-cernes avec une poudre. Je vais directement appliquer mon fard à paupières. Donc, pour cela, je vais utiliser la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Prism. Parce que, en fait, j'adore le fard noir. Je trouve que c'est le seul fard, en fait, noir qui est hyper pigmenté pour ma part. Donc, du coup, je vais utiliser ce fard-ci. Et c'est très rare que je ne commence pas par une couleur de transition. Pour les charbonneux, en fait, je préfère vraiment travailler de la paupière mobile à la paupière fixe. Donc du plus foncé au plus clair. A l'aide d'un pinceau plat, je viens prendre un peu de fard et je tapote sur toute ma paupière mobile. N'ayez pas peur d'en mettre et même si ce n'est pas précis au niveau de la pliure de l'œil, ce n'est pas grave parce qu'on va venir estomper avec une couleur un petit peu plus claire et mieux travailler en fait le dégradé. Au coin externe, en fait, si vous n'avez pas l'habitude de faire des maquillages assez larges, assez prononcés à ce niveau et si vous avez peur des chutes, vous pouvez utiliser un peu de scotch en fait, un morceau de scotch. Que vous appliquez au coin externe et que vous ramenez jusqu'à la queue du sourcil pour éviter d'avoir des chutes et pour avoir un beau tracé à la fin.
Et voilà, vous avez vu, ce n'est vraiment, mais vraiment pas précis. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai juste posé le fard et tapoté le fard sur la paupière mobile et maintenant je vais venir travailler le dégradé sur la pliure de mon œil. Donc maintenant je vais utiliser le fard marron, donc c'est le parallèle que je vais appliquer avec un pinceau blender, un pinceau estampeur, et je viens faire des mouvements. Ouais, cette palette en fait, les fards sont assez poudreux. Donc attention quand vous prélevez un peu de fard. Donc je vais faire des mouvements circulaires. Ça aide à bien chauffer le fard et permet que le pigment ressorte plus. Hop, je fais des mouvements circulaires et des petits va-et-vient comme des essuie-glaces. Alors vous voyez vraiment que ici, le charbonneux commence à prendre forme et ici, pas du tout. J'espère que vous voyez la différence. Avec un dégradé de noir et de marron, je vais faire pareil de l'autre côté. Maintenant que vous avez estampé et que vous trouvez que le noir n'est pas assez prononcé, vous pouvez appliquer de nouveau votre fard noir, ce que je vais faire d'ailleurs, sur la paupière mobile. Accentuer en fait cet effet de charbonneux. Voilà, pour un plus joli dégradé, je vais venir prélever. Pourquoi prélever? Je suis pas scientifique. Je vais venir prendre le fard orangé brique, c'est la Saturne, hop, que j'applique juste au-dessus du marron. Oh mon dieu, mais ça fait toute la différence. Ah, oh, je kiffe. Je suis en kiff total. Total. Comme dans Nemo. Mais c'est vrai, c'est les tortues. Mm-hmm. Total. La classe. Total. Avec les enfants, on connaît tous les dessins animés. Tous les animés du monde. Voilà, 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 voilà. Pour donner un petit peu plus de lumière à mon regard, parce que le regard est hyper sombre, je vais maquiller juste sous mon sourcil avec un fard mat. Je vais utiliser la palette 35F de chez Morphe. Donc je vais utiliser cette teinte. Hop. Et voilà. En fait, tout le monde pense que le charbonneux est hyper difficile à faire, mais pas du tout. Il suffit de faire un beau dégradé, d'utiliser une couleur sombre. Après, je dis sombre, non, vous pouvez faire un charbonneux avec toutes les couleurs. Dès que vous faites un dégradé avec les mêmes tons de couleurs, ça peut être du rose fuchsia, ça peut être du rouge, ça peut être du bleu marine, bleu turquoise, bleu ciel. Dès que vous faites un beau dégradé, il faut avoir les mêmes tons de couleurs. Voilà. Mais c'est vraiment très facile. Une couleur foncée, une couleur de transition et une couleur un petit peu plus claire au-dessus. Et le tour est joué. Par contre, la clé d'un beau charbonneux, c'est d'estamper. Il faut bien estamper les matières entre elles, bien faire se dégrader pour vraiment avoir un maquillage sophistiqué en fait. Justement, pour un charbonneux, il faut que vraiment le teint soit irréprochable, les filles. Vous ne pouvez pas faire un charbonneux et le teint n'est pas travaillé. Vu que les yeux sont assez sombres, ça va encore plus accentuer cet effet de sombre en fait sur le visage, mais vraiment apporter de la lumière au teint pour équilibrer en fait le maquillage des yeux et du teint. Voilà. Pour mon teint, comme je n'ai pas encore mis ma crème de jour, j'utilise la crème de jour de chez Nivea. C'est une crème matifiante, donc en fait elle va hydrater et réguler la brillance de ma peau. Elle est à base d'extrait d'algues et de
Hydra IQ? What is it? Ben, d'eau en fait. Elle va protéger la peau des agressions extérieures. Elle va protéger la peau des rayons UV et va l'hydrater et va matifier la peau. Ensuite, pour camoufler mes pores, je vais utiliser la base de chez de Pore Professional, de chez Benefit, que j'applique sur les joues, sur mon front, à ce niveau et sur le nez. Maintenant, pour mon fond de teint, je vais utiliser le même fond de teint que d'habitude. Donc, c'est le Pro Longwear de chez MAC, le NW50. Donc, pourquoi ce fond de teint? Parce que c'est un fond de teint waterproof. Donc, qui résiste à tout. Ah, il fait hyper chaud, donc j'adore ce fond de teint. Il tient hyper longtemps, il a une bonne couvrance. Et surtout, en fait, le résultat, c'est qu'il a un fini naturel, en fait. Pas mat, parce que... J'aime pas les finis mat. Je trouve que ça fait pas naturel. Donc ça a vraiment un petit fini satiné que j'adore. Et ben du coup depuis que je mets ça, ben j'arrête pas. Alors qu'avant je mettais le Studio Fix, hein. Le Studio Fix, le Fanta Studio Fix a rendu mat. Et je l'aime plus, je trouve que ça fait pas naturel. Regardez comment le rendu est hyper naturel. Le petit côté glowy que j'adore en plus. Regardez ça. Je peux pas m'en passer. Donc du coup pour mon anti-cerne, je vais utiliser aussi le Pro Longwear de chez MAC, mais cette fois-ci pas en teinte NW50 mais en teinte NW45 pour apporter un peu plus de lumière, un peu plus de highlight sous les yeux. Donc ça se présente comme ceci, hop, avec une petite pompe. Je vais l'appliquer au pinceau dans un premier temps. Et je viens estamper mon anti-cerne. Et maintenant pour fixer l'anti-cerne, je vais utiliser ma poudre, celle que je ne présente plus, la Sacha Cosmétique. La Sacha Buttercup. Maintenant, je vais maquiller mon ras de cils inférieur. Donc, ce sera le même procédé. Je vais utiliser un fard plus foncé et ensuite faire mon dégradé avec des fards un petit peu plus clairs. Donc, je vais commencer par du noir, ensuite du marron et de l'oranger. Je vais commencer par du noir avec la même palette de chez Anastasia Beverly Hills. Cette fois-ci, je vais utiliser un pinceau biseauté hyper fin. C'est le 266 de chez MAC. Time for no darling on the way up. Plenty dirty fit you cause you plenty hold up. As you can see, Don Jazzy got me turned up. And nothing can stop me, I'm all the way up. To Dubai, now we running every city. All the fine girls steady ringing, now we sell it. Hot stuff, now we gonna fell it.